Là. Avec la pluie niveau 2 avec un Comtac 5-6, c'est presque pas emmerdant quoi. Ils sont vraiment forts ces deux casques là pour ça. Là il y a un monde où j'aurais. Bah, j'aurais entendu le saut quand même, parce que le saut ça fait du bruit, mais pour le reste peut-être pas grand chose à cause de la pluie. Là j'ai bien entendu, hein. BP, j'aurais peut-être dû faire ses chargeurs. Nick. Ah, il a craqué le seigneur. C'est con parce que je lui dis fais settings, il fait settings, il voit la commande et il dit ça marche pas. Alors qu'elle marche très bien cette commande, elle est apparue dans le chat littéralement 5 secondes avant. Tomber sur la lumière là. Terrible. Tire au silencieux à droite, est-ce que je vais avoir le temps de monter? Et sur nous, ça va arriver. Censée être ouverte celle-là.
En fait, je regardais la liste des matchs tout à l'heure à Lumi, il n'y a pas de gros banger aujourd'hui. Cette scène est extrêmement étrange, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu pré-shot, mais j'ai pré-shot 100 fois trop tôt. Mais lui, il était tellement déter à y aller quoi qu'il arrive qu'il y a été malgré mes pré-shots. C'est-à-dire que deux mecs engagés dans leur idée qui lâchent rien, tu sais. Même si c'est une mauvaise idée. Ouais, pour ce soir, il n'y a aucun match qui me hype. Et demain, évidemment, pour Paris, je serai devant ma téloche. Impatient. De voir un peu ce que va donner ce nouveau format. Je suis votre éternel abonné. Ah, salut Jim! Merci du T1, mon vieux. Merci beaucoup. Allez, tranquille. Ah, Milan, Liverpool. Le Milan des années 2000, j'aurais dit oui tout de suite. Mais là, bon. Bientôt la capa. Bah, si les boss décident de bien vouloir être dans mes runs, pourquoi pas. Si les Ledix décident également de vouloir être dans mes runs, pourquoi pas. Je suis malheureusement bloqué à un stade où ça dépend pas de moi. Ça dépend de mon taux de schneck. Tarkov Dev a été mis à jour pour la liste des 4 kappa. Ça, je saurais pas dire, mon vieux.
Tire sur un mec qui est à droite. Ça fait légèrement loin. Il y a un œuf et une statuette. Un incroyable. Un X-Fil. Ok, bon. Aussi. À travers le bush, pitié. C'est le Comtac 6. Je commence à me demander si ça va pas devenir mon casque préféré, ça. Par rapport à l'expérience du mec du début, là, que j'ai vachement bien entendu malgré la pluie. Cette action m'a presque convaincu. À elle toute seule. J'ai bien conscience qu'il y a des trucs qui passeront pas, hein, ça reste Tarkov, mais... Plutôt que de jouer toujours des GSSH...
Merci Psycho. C'est Prime. Je trouve comme le jeu en ce moment au niveau de l'opti et des cheaters. Les cheaters me niquent pas tant que ça mon expérience de jeu je trouve. Mais c'est vrai que j'ai souvent des reports qui tombent. Je suis votre éternel abonné. Où en fait mes reports ont marché donc c'était bien du cheat. Je trouve que j'en ai plus que le web dernier par exemple. Et au niveau du jeu il n'y a pas eu tant de nouveautés que ça quoi. Ça a été un peu un wipe pour un wipe. Unity, ça a toujours pas été upgrade. Ce qui devait être le gros truc qui arrête pas d'être repoussé. Le jeu reste excellent, mais il stagne un peu, je trouve. Merci. Gtenchu. En espérant l'avoir bien dit, mon vieux, c'est les 14 mois, c'était 1. Merci beaucoup BG. Ouais, écoute, le Comtax 6. Bienvenue dans l'équipe. Je pense que j'ai fait un choix sur cette game là. Sur ce kill là, ça me sauve peut-être la vie.